Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Notre sujet aujourd'hui est le pavon. Le pavon est le plus bel oiseau qui vit à la surface du globe et il est parfois appelé le roi des oiseaux en raison de ses couleurs merveilleuses et attrayantes qui attirent l'attention. L'origine de cet oiseau sont les forêts des pays tropicaux humides et chauds du continent asiatique. C'est un oiseau célèbre et bien connu dans tous les pays du monde. Les traits de pavon les plus caractéristiques des autres oiseaux est sa queue colorée, que le pavon mâle déplie sous la forme d'un grand éventail derrière lui, environ 5 fois la longueur de son corps. Il est connu par sa qualité de beauté et de fierté, de vanité et d'arrogance, et se caractérise par sa démarche qui reflète la fierté et la brillance. C'est un oiseau qui refuse généralement de se mélanger avec d'autres oiseaux domestiques. Le pavon est un oiseau social par nature, et il vit à l'état sauvage en groupe qui se protègent les uns les autres. La femelle pavon est plus petite que le mâle, elle a une queue courte et des plumes sombres, et n'a pas de plumes colorées comme le mâle. Le pavon a une voix très forte qu'il utilise pour avertir les individus du danger qui les menace. Le pavon ne peut voler que sur de très courtes distances et utilise souvent ses ailes pour sauter par-dessus de grands arbres. Le pavon atteint généralement la puberté à l'âge de 3 ans, et s'accouple généralement au printemps, et affiche alors ses plumes colorées et émet des sons pour attirer les femelles. La femelle pond un nombre allant de 4 à 6 œufs, qui éclosent généralement après une période allant jusqu'à environ un mois. Les jeunes restent avec leur mère pendant une période allant jusqu'à 4 mois et le pavon achèvera sa croissance à l'âge d'environ 10 mois. Depuis l'Antiquité, et les rois ont élevé ce bel oiseau dans leur jardin, pour la beauté de ses couleurs et sa forme distinctive. Il se nourrit de céréales, de fruits, d'herbes, d'insectes et de vers. Il a des pieds solides, des griffes acérées et une bonne vue. Le pavon a de nombreuses couleurs et types, et parmi ces types, le pavon indien, qui est le plus coloré, et vit dans les pays de l'Inde et du Sri Lanka, et a un beau corps bleu, et une couronne sur sa tête, et parmi ces types célèbres sont également, le pavon blanc, le pavon du Congo, le pavon vert, qui est originaire de l'île indonésienne. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour avoir plus d'informations et aussi visiter mon site mangersaine.com.